Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, Très bien. donc merci beaucoup. Donc c'est avec Bonjour plaisir. Thibault. Bonjour à toutes Bonjour. et à tous. Bonjour Bonjour. Thibault. Bonjour. Donc c'est avec plaisir que nous ouvrons la première édition des Symposiums internationaux du droit à l'éducation. Bienvenue et merci d'être là parmi nous. Je suis donc Thibault Leverrier de l'Université de Genève et du COP, et je suis également donc membre du comité scientifique et coordinateur de cet événement. Je vais dire quelques mots d'introduction avant que nous écoutions les diverses présentations prévues aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je souhaite préciser que c'est un événement qui est co-organisé par différentes institutions. Je vais les citer. Il y a donc l'Université de Genève, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights. Il y a l'Initiative pour le droit à l'éducation et du COP. Également le réseau de recherche francophone sur la privatisation de l'éducation, le REFP. Et enfin, la Société suisse pour la recherche en éducation, SSRE. Et je salue et je remercie donc l'ensemble de ces partenaires d'avoir permis de donner vie à cet événement. Pour cet événement également, nous avons eu le bonheur d'avoir un comité scientifique très engagé qui s'est impliqué à différentes étapes de l'organisation de ces symposiums. Je les remercie également vivement et vous retrouverez donc la liste du comité scientifique dans le programme que vous avez reçu. Alors, je souhaite rappeler ici la raison d'être des symposiums internationaux du droit à l'éducation. Alors, il s'agit d'un rendez-vous annuel et en ligne qui rassemble des chercheurs de différents horizons professionnels, universitaires, juniors, seniors, également des membres d'organisations de la société civile, mais aussi de différents horizons géographiques, aussi bien des pays du Nord que des pays du Sud. Et toutes et tous ont la volonté de partager des résultats de recherche au service de la mise en œuvre effective du droit à l'éducation au niveau international. Alors, avec ces symposiums, en proposant un événement qui est scientifique et accessible, c'est-à-dire sans frais de participation, ne nécessitant pas de déplacement à l'étranger, eh bien, cela permet d'accorder une plus large place aux voix du Sud, notamment, et au contexte non anglophone, ce qui est loin d'être une évidence dans les événements scientifiques au niveau international. D'autant plus que nous cherchons, avec cet événement, à valoriser le travail de recherche mené par des acteurs non académiques et notamment les organisations de la société civile, tout en étant exigeant sur la rigueur scientifique et sur la nécessité de partage entre pairs, comme c'est le cas donc aujourd'hui. Alors, notons que ces jours-ci a lieu la 53e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, avec une série d'événements autour du droit à l'éducation et notamment sous l'égide de la nouvelle rapporteure spéciale des Nations Unies pour l'éducation. Alors, les communications d'aujourd'hui vont nous rappeler à quel point le droit à l'éducation est loin d'être effectif partout dans le monde et qu'il est donc crucial de rendre visible et d'amplifier la recherche sur différentes thématiques en lien avec le droit à l'éducation pour mieux sensibiliser les différents acteurs de l'éducation, mais aussi mieux orienter la conception et la mise en œuvre de politiques éducatives qui soient pertinentes. Nous espérons donc que cette journée sera riche et en particulier dans les échanges entre participantes et participants, notamment dans les sessions. Et nous remercions vivement les personnes qui vont communiquer aujourd'hui. Nous nous réjouissons de vous écouter. Alors, je dois dire qu'il s'agit de la première édition, hein, et comme vous l'avez compris, c'est une édition intégralement en ligne. Donc, nous vous demandons par avance de nous excuser si des problèmes devaient perturber le déroulement de la journée, même si nous pensons les avoir anticipés. Alors, comme vous l'avez certainement noté sur la diapositive de bienvenue, pour celles et ceux qui sont arrivés avant l'heure de début, nous proposons quelques règles de conduite pour faire en sorte que cet événement en ligne se déroule le mieux possible. Et nous souhaitons notamment que, dans la mesure du possible, vous allumiez votre webcam pour que nous puissions toutes et tous nous voir, ce qui donne l'impression d'être dans un échange en face à face. Nous demandons également que vous mettiez le microphone en sourdine quand vous ne prenez pas la parole.
Enfin, si vous avez des questions ou si vous souhaitez faire un commentaire, n'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue dont vous avez la petite icône en bas à droite de votre écran. Enfin, je précise que la journée sera intégralement enregistrée et donc à partir de maintenant. Et nous n'avons pas encore décidé du type de diffusion de ces enregistrements. Cela dépendra de la qualité de ceci. Mais quoi qu'il en soit, nous reviendrons vers vous pour avoir votre autorisation si jamais nous devions diffuser ces enregistrements. Je passe maintenant à une brève présentation du programme que vous avez évidemment toutes et tous reçu. Alors, nous allons commencer. Nous avons donc commencé avec ces quelques mots d'introduction. Dans un instant, nous aurons le plaisir d'écouter la conférence d'ouverture du professeur Traoré. Puis, après une courte pause qui permettra de se rendre dans les salles virtuelles, commenceront les sessions avec un ensemble de communications autour donc du droit à l'éducation. Pour information, le comité scientifique a, dans la mesure du possible, tenté de regrouper les sessions par sous-thématique. Nous espérons que cela fera sens, notamment au moment des discussions. Il y aura donc une première série de sessions qui débutera à 11h30, heure de Genève, puis une deuxième série de sessions à 14h, heure Genève également, après une pause de 45 minutes. Nous clôturerons l'événement à 15h30 avec quelques mots de conclusion de la part des partenaires de cet événement. Alors, n'hésitez pas à vous référer au programme que vous avez reçu pour voir le détail des sessions et surtout pour cliquer sur le lien qui vous mènera à ces sessions. Si vous avez des questions ou des commentaires par rapport au programme, une fois de plus, n'hésitez pas à utiliser la boîte de discussion. Nous allons donc passer à présent à la conférence d'ouverture. Et je repartage l'écran. Nous allons donc passer, comme je le disais, à la conférence d'ouverture. Et pour cette conférence d'ouverture, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Idrissa Soyba Traoré. Bonjour à vous, cher professeur. Et Bonjour. avant de vous laisser commencer votre conférence, laissez-moi vous présenter en quelques mots. Diplômé d'une thèse de doctorat de l'Université de Paris 8 en sciences de l'éducation en 2009, vous êtes actuellement enseignant-chercheur et recteur de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Vous êtes également l'auteur d'une trentaine d'articles scientifiques publiés au Mali, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Niger, en Tunisie, en France, en Suisse et au Canada. On voit bien du coup que vous représentez la diversité présente ici aujourd'hui à travers la diffusion de vos articles. Et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage intitulé École et décentralisation au Mali, des logiques d'appropriation locale aux dynamiques de conquête de l'espace scolaire. Précisons que vous avez également occupé successivement les postes de chef de département des sciences de l'éducation et de vice-recteur. Le docteur Traoré, chevalier de l'Ordre international des Palmes académiques du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, le fameux CAMES. Cher professeur, vous allez nous proposer une conférence sur une thématique qui sera bien représentée aujourd'hui, à savoir la privatisation de l'éducation, en mettant l'emphase sur les défis en matière d'inégalité et d'inégalité en lien avec ce processus qui est grandissant en Afrique francophone. Et donc, vous allez vous intéresser particulièrement au cas du Mali. Je vous laisse donc la parole et encore un grand merci de votre présence. Et en vue de l'échange qui aura lieu à l'issue de votre conférence, j'invite l'ensemble des participantes et participants à utiliser la boîte de discussion pour des questions et commentaires. OK. Et je partage tout de suite le Absolument. PowerPoint. C'est à vous, cher professeur. Voilà. Merci beaucoup, Thibault. Je commence par adresser mes remerciements à tous les participants.
Un remerciement de premier plan à la commission d'organisation et au comité scientifique qui ont fait des efforts remarquables pour qu'on puisse aboutir à l'organisation de ce symposium. Je dis simplement que c'est un premier coup d'essai pour un coup de maître et je souhaite vivement d'autres symposia à la suite de ce premier, afin que nous échangeons de façon multiporelle, je dis bien de façon multiporelle, parce qu'il y a beaucoup de nationalités ici et qui sont issues de plusieurs continents, donc qu'on puisse échanger sur des thématiques éducatives. Merci particulièrement à vous, Thibault, parce que vous avez donné du sens à l'orientation de ce travail que je vais présenter. Donc, ma présentation est intitulée « Inégalité et inéquité, paradoxe de la privatisation dans le maillage du droit à l'éducation ». Comme pour vous dire que la privatisation existe au Mali, les écoles sont ouvertes, cette privatisation a favorisé une sorte de massification de l'école, en termes, n'est-ce pas, quantitatifs, pour emprunter les termes de Proust, ou tout simplement, n'est-ce pas, de Merle. Mais quand on analyse, on voit que il y a des paradoxes. Et ces deux paradoxes que je voudrais analyser dans cette présentation, donc ces deux paradoxes reposent sur les inégalités et l'inéquité, voilà, en termes de privatisation et qui influencent négativement le droit à l'éducation. Je peux passer sur le slide. Ma présentation va s'articuler autour de quatre points majeurs, même si vous voyez six points. Donc, d'abord, je vais parler d'une cartographie des écoles privées au Mali. En ce moment, on va s'intéresser, sur ce point-là, on va s'intéresser essentiellement au processus d'évolution des écoles privées. On va parler également des fondements juridiques et de la couverture pédagogique. Donc, ce serait une cartographie brève. Donc, ça ne va pas vous ennuyer du tout. Je parlerai aussi de la méthodologie en deuxième axe de cette présentation. Et ensuite, quelques résultats. Nous terminerons, bien entendu, par des discussions. Slide. Voilà. En termes d'introduction, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a des séries de constats qu'il faut retenir absolument en ce qui concerne le droit à l'éducation. Donc, un des premiers constats, c'est que il y a une urgence éducative à travers le monde. Cette urgence s'explique par le septième principe du droit des enfants qui a été mis au point depuis 1923 à travers, n'est-ce pas, les lectures que j'ai eu à faire, mais qui revient encore en 1959 à travers l'Assemblée générale des Nations unies. Qu'est-ce que ce septième principe nous dit? Ce septième principe nous dit, grosso modo, que l'enfant a droit à une éducation qui doit être garantie, qui doit être gratuite et obligatoire, au moins au niveau élémentaire. L'enfant doit bénéficier aussi d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permettre, dans des conditions d'égalité des chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société. Donc, on a pris conscience de cette exigence-là depuis fort longtemps. Et cette exigence revient. Aujourd'hui, on constate que beaucoup de programmes des Nations Unies soutiennent cet engagement-là, qui a été un facteur essentiel depuis les années 1959, comme je le disais. Si on se réfère, par exemple, aux objectifs du millénaire pour le développement, on voit que la notion d'éducation pour tous revient. Si on se réfère aux objectifs du développement durable, on voit que la notion de qualité de l'éducation revient aussi. Un autre constat, c'est la pression des organismes internationaux pour une éducation plus ouverte et inclusive. Donc, l'UNESCO y participe, la Banque mondiale y participe, l'OCDE aussi y participe. Donc, grâce à ces organismes, on a abouti aujourd'hui à une décentralisation de l'éducation à travers le monde, à une privatisation de l'éducation, qui en soi permettent, constituent des alternatives, en tout cas pour faire face aux besoins éducatifs, un besoin éducatif qui est pressant, comme je le disais tantôt, à travers le monde. Notre pays, le Mali,
peut être considéré comme un pays pionnier des réformes éducatives. Parce que, vous savez, chers collègues, depuis la conférence d'Addis Abeba en 1961, qui a lancé, par exemple, le principe de l'éducation de masse et de qualité, le Mali, l'année qui a suivi, a pris d'importantes décisions. Il a été, en tant que pays, un des premiers à organiser une réforme de l'éducation. Et donc, cette réforme de l'éducation, c'était depuis les premières années de l'indépendance, comme je disais tantôt, avec les premiers dirigeants du pays, qui a appelé la réforme de 1962. Aussi, dois-je ajouter qu'au Mali, en tout cas, au-delà de ces efforts-là de 1962, l'effort de développement de l'éducation a continué avec le séminaire de 1978 sous la Deuxième République, le régime militaire, avec le programme décennal de développement de l'éducation sous la Troisième République, le régime démocratique, en 1999. Notre Constitution parle beaucoup de la question du droit à l'éducation et en 1999, le Mali a adopté une loi d'orientation pour l'éducation et le Mali a favorisé l'implication des organismes internationaux dans le cadre du soutien à l'éducation dans notre pays. Slide. Voilà. Donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a une vague de privatisation qui touche l'école. Et cette vague de privatisation se fonde essentiellement sur la liberté de fréquentation des établissements, la liberté des prix à tous les niveaux. Et dans cette privatisation, on voit que l'État n'est pas neutre. L'État intervient souvent en soutenant des établissements privés fondamentaux. Les écoles catholiques, par exemple. Le soutien pour les écoles catholiques a commencé depuis les années 1970. Et il y a le soutien aux écoles communautaires. Je vais y revenir, que j'ai eu du mal à classer, n'est-ce pas, dans le cadre de la privatisation. Ce soutien a commencé véritablement en 1994 avec l'adoption du statut d'utilité publique de ces écoles-là. En plus de ce soutien, l'État accorde aussi des subventions aux établissements secondaires. Voilà. Il y a, après le diplôme d'études fondamentales, les élèves sont orientés dans des lycées qui sont des lycées privés, qui sont des lycées techniques, qui sont des écoles professionnelles. Et vous allez voir que l'État intervient à ce niveau-là. Je pense en payant, par exemple, aux écoles professionnelles 110 000 francs CFA et aux écoles et aux lycées 90 000 francs. Donc, au niveau de ces établissements, donc, comme je disais tantôt, les apprenants sont orientés. Mais il y a aussi la dimension, supérieure. Je vois que l'État n'intervient pas. L'État ne donne aucune subvention pour le moment aux établissements supérieurs privés. Mais en fait, pour revenir à cette privatisation, je pense qu'elle s'est imposée aujourd'hui comme un processus inéluctable face à la désaffection de l'État. Je le dis dans l'ouvrage que j'ai publié que dès les années 1990, on a constaté un double échec de l'État par rapport à la gestion de l'école. Et ce double échec s'explique par deux facteurs essentiels. Le premier, c'est l'incapacité de construire des infrastructures. Et le second, c'est le recrutement des enseignants. Donc tout cela a abouti à une grande ouverture, n'est-ce pas, de l'école à des partenaires privés qui devaient compléter l'œuvre éducative de l'État. Slide. Voilà. Donc, maintenant, après cette introduction, on peut s'intéresser au premier point de notre intervention qui porte, n'est-ce pas, sur la cartographie des établissements privés. Donc, j'ai parlé brièvement des fondements juridiques et de la couverture pédagogique. Je me suis intéressé à deux articles essentiels en termes de fondement juridique. Dans l'article 12, il est dit ceci, « Nul ne peut créer et ouvrir un établissement privé d'enseignement s'il n'a reçu préalablement l'autorisation. » Et dans l'article 16, il est dit ceci, « Le rapport de contrôle des établissements privés d'enseignement est adressé au ministre en charge de l'ordre d'enseignement concerné, au gouverneur et au déclarant. » Mais, chers collègues, il y a beaucoup de contradictions sur le terrain, quand on examine ces deux articles qui sont au fondement, en tout cas, des écoles privées. Il y a des écoles qui s'ouvrent sans
autorisation préalable. Beaucoup. D'ailleurs, il y a quelques mois, l'État a fermé, n'est-ce pas, beaucoup d'écoles, surtout au niveau de la santé, qui ne respectaient pas les règlements. Du point de vue du contrôle aussi, je constate que les inspecteurs, soit ils ne font pas correctement leur travail, soit que les promoteurs d'école les trompent. Parce que personnellement, j'ai un cousin qui a été orienté dans un établissement d'enseignement secondaire, un lycée. Nous avons cherché le lycée pendant 3 jours. Et je me suis retrouvé au niveau du cap de Kati avec beaucoup d'autres parents d'élèves qui cherchaient cet établissement-là. Donc, ça montre aussi qu'il y a quand même de graves problèmes en ce qui concerne la gestion de ces établissements privés. Je voudrais aussi dire que du point de vue des conditions de création et d'ouverture des écoles, surtout fondamentales, j'ajoute que dans cette communication, je me suis intéressé beaucoup plus aux écoles fondamentales privées. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on doit fournir? On doit faire une demande d'autorisation. On doit fournir un dossier de l'établissement qui comprend, par exemple, une note de présentation, un plan détaillé des locaux et des installations sanitaires. On doit le dossier, le déclarant qui porte le projet doit fournir également un dossier. L'acte de naissance, le certificat de nationalité, le casier judiciaire, n'est-ce pas, entre autres. Donc voilà quelques aspects fondamentaux de la couverture juridique en termes d'ouverture des établissements privés, surtout en ce qui concerne le fondamental. Slide. Voilà. Là, c'est un petit tableau ou des tableaux qui vont se suivre, qui permettent de comprendre un tout petit peu la couverture juridique en termes de nombre d'écoles et en termes d'effectifs. Donc, j'ai pris les trois premiers tableaux que vous allez voir tout à l'heure, à savoir ce premier et les deux autres qui vont s'en suivre, représentent un peu des tableaux qui concernent le premier cycle. Chez nous, le fondamental, bon, on le dit, c'est un bloc unique de 9 ans. Mais dans la réalité, il y a un premier cycle qui s'étend de la première année d'études à la 6e année. Et ensuite, un second cycle que d'autres appelleront collège, qui s'étend de la 7e année à la 9e année, donc qui fait 3 ans. Donc ici, vous avez les données qui concernent le premier cycle. Donc, dans ces données-là, très rapidement, vous allez constater que de 2014 à 2020, les effectifs, le nombre d'écoles a considérablement augmenté. Parce que de 1830, on va se retrouver à 2796 établissements. Ce qui montre que, voilà, le taux d'accroissement est de 9%. Vous pouvez passer aux effectifs. Slide. Donc, ça, c'est les effectifs. À la même période de 2014, on a 260 454 apprenants. Donc, en 2014 et en 2020, on va à 473 198 élèves ou apprenants. Donc, vous voyez, le nombre augmente. Slide, le tableau qui suit permet de faire un récapitulatif. Donc, ce récapitulatif nous permet, n'est-ce pas, de savoir qu'en nombre d'effectifs, on est passé pratiquement à un nombre d'écoles d'abord, on est passé à 6974 et en termes d'effectifs, c'est 1 581 537. Voilà. Donc, ça, c'est les effectifs au niveau du public que je compare au niveau du privé. Donc, vous voyez, au niveau du privé, c'est 2796 établissements, comme je disais tantôt, et au niveau des effectifs d'élèves, on est à 473 198 élèves. Donc, les deux tableaux et la petite conclusion en termes de comparaison entre les établissements publics et privés montrent que les effectifs vont crescendo et le nombre d'écoles également va crescendo dans les établissements privés, ce qui montre que les parents accordent du prix ou bien s'intéressent beaucoup plus aux établissements privés. Ça, c'est le premier cycle. On peut aller au second cycle. Donc, le second cycle, voilà les réalités.
Le second cycle, je disais tantôt que ça représente dans beaucoup de pays le collège. Beaucoup de pays l'appellent le collège. Donc, on voit que de 2014 à 2020, le nombre d'établissements a considérablement augmenté parce qu'on est venu jusqu'à 1761 établissements, un accroissement de 9,2%. Slide. Vous avez les effectifs qui connaissent aussi le même taux d'accroissement, 9,2%, parce qu'on passe de 104 619 à 162 302. Donc, voilà ce qui montre que le nombre d'apprenants au niveau des établissements privés a aussi considérablement augmenté. Tableau de comparaison, slide. Donc, ça, c'est le public et le privé. Bon, j'ai montré, n'est-ce pas, le public parce que je fais une étude comparative, enfin, une petite comparaison en termes de résultats entre le public et le privé et au niveau de l'Académie d'enseignement Rive Droite. Voilà. Donc, ici, c'est le même constat. Hein. Comme au niveau du premier cycle, au niveau du second cycle, on se rend compte que le nombre d'écoles et les effectifs d'élèves vont crescendo au niveau des établissements privés. Donc, ça revient à la même conclusion, les parents accordent du prix à ces établissements privés. Et c'est ce qui montre l'accroissement en termes d'écoles, l'accroissement également en termes d'effectifs. Slide sur la méthodologie. Voilà. Donc, pour présenter cette communication, nous avons mené une recherche et cette recherche qui a servi de base à la présentation des données que nous allons faire tout à l'heure, cette recherche a été essentiellement une recherche qualitative. Donc, cette recherche qualitative, qui repose sans nul doute sur un paradigme compréhensif, nous a permis de dialoguer avec les acteurs, que sont les enseignants, les promoteurs d'école, les parents d'élèves, les élèves, les membres du CGS. Le CGS, c'est le comité de gestion scolaire, et les membres de l'APE, l'association des parents d'élèves. Donc, à travers ces entretiens que nous avons menés, nous avons pu comprendre les points de vue sur les changements, en tout cas, qui ont été induits par la privatisation en termes de processus de production et de reproduction des inégalités. Voilà, ces entretiens nous ont permis également d'analyser les enjeux et les contradictions de la privatisation par rapport au droit à l'éducation. Donc, ces entretiens ont eu lieu dans des espaces, n'est-ce pas, de discussion. C'était des entretiens individuels et des entretiens, n'est-ce pas, collectifs. Nous avons aussi utilisé l'observation. Et l'observation nous a permis de nous pencher un peu sur l'état physique des établissements, de voir comment les ressources humaines sont utilisées. Nous avons fait aussi des séquences d'observation au niveau des classes. Et comme je disais tantôt, même après ces séquences d'observation dans les classes, nous avons interrogé également, n'est-ce pas, les enseignants pour comprendre leur logique en termes d'activité, en termes également de consignes. Donc, c'est tout cela qui nous a permis d'avoir des séries de résultats. Voilà qui tue. Slide. Voilà. Donc, dans ces résultats, nous présentons d'abord les établissements. Nous avons fait d'abord, à partir des données que nous avons reçues, une typologie des établissements privés à travers l'Académie Rive Droite. Donc, nous les avons catégorisés en quatre types. Il y a ce que nous avons appelé les écoles privées de haut standing. Nous nous sommes intéressés surtout au prix. Donc, vous allez voir que dans ces écoles privées, les parents d'élèves payent au moins 250 000 francs par an. Donc, 250 000 francs, ça commence à partir de 250 000 francs et plus. Il y a des établissements privés de moyen standing. Donc, la mensualité ici varie entre 10 000 et 15 000 francs par mois. Et il y a ce qu'on a appelé des établissements privés locaux. Donc, vous savez, tellement que aujourd'hui, il y a une
prolifération, je mesure les expressions de ces établissements privés, on va constater que même dans les quartiers, il y a certains promoteurs qui en créent. Ils en créent sans pour autant respecter, n'est-ce pas, toutes les conditions. Ce sont souvent des maisons transformées, des habitations transformées, si vous voulez, en école privée. Et c'est ce qu'on a appelé les établissements privés locaux. Ces établissements privés locaux sont payés à partir de 7 500 francs par mois. Voilà ce qui donne 67 500 francs par an. Mais j'avoue que ce soit les établissements privés de haute standing ou de moyenne standing, ou des établissements privés locaux, j'allais dire, ces établissements-là, en termes de prix, augmentent pratiquement chaque année ou chaque 2 ans. Donc, par exemple, pour les établissements privés locaux, il y a certains qui étaient, il y a 4 ans seulement, à 3 000 francs, mais ils sont venus jusqu'à 7 500 francs. Donc, à côté de ces 3 types d'établissements, nous avons catégorisé aussi les écoles communautaires. Parce que nos analyses nous ont permis, n'est-ce pas, de savoir que les écoles communautaires, surtout en milieu urbain, sont des écoles en réalité qui sont véritablement privées. En fait, ce sont des écoles qui portent le statut ou le manteau d'école communautaire pour bénéficier, en tout cas, des mesures que l'État a adoptées en matière, n'est-ce pas, de reconnaissance d'utilité publique. Ces écoles-là bénéficient, n'est-ce pas, de ces mesures, mais vous allez trouver qu'elles fixent, n'est-ce pas, des prix qui ne sont pas surtout à la portée, n'est-ce pas, des gens. Ça, c'est un premier constat. Le second constat, c'est que dans ces établissements communautaires, nous avons constaté qu'il n'y a pratiquement pas de comité de gestion scolaire, parce que le comité de gestion scolaire se ramène au promoteur qui fixe, n'est-ce pas, les prix. Donc, ces écoles-là, leur prix varie entre 4 000 et 5 000 francs CFA. Donc, il faut reconnaître que ces écoles communautaires, dans les années 2000, étaient souvent à 2 000 francs par mois. Mais aujourd'hui, c'est entre 4 000, n'est-ce pas, et 5 000 francs par an. Donc, ce qui montre que l'État, nous allons y revenir, ne contrôle pas du tout, n'est-ce pas, les prix, et les promoteurs s'adonnent à cœur joie, vous me permettez l'expression, en tout cas en matière de fixation des prix. Slide. Voilà. Donc, en termes de résultats, nous avons fait une comparaison entre deux écoles, une école publique et une école privée. Nous avons donné des noms à ces établissements-là. Je voudrais dire que ces établissements-là ont été identifiés en fonction du bon résultat qu'ils ont eu en 2022 au niveau du DF. L'établissement public que je présente a été le premier en termes dans les écoles publiques au niveau de l'Académie Rive-Droite. Et l'établissement privé a été premier aussi au niveau des établissements privés en ce qui concerne l'Académie Rive-Droite. Donc, nous avons appelé l'école publique Créfédin. C'est une expression bambara qui signifie marginalisation. Vous allez voir dans la suite des résultats ce que tout cela signifie. Et l'établissement privé, nous l'avons appelé Sambalagnon. Sambalagnon signifie, de façon métaphorique, le mille qui a été planté en dernière position, mais qui rapidement devance, n'est-ce pas, les autres. Donc, c'est un peu l'image que les établissements privés donnent. Voilà. Donc, par rapport à ces deux établissements, nous avons pu faire la comparaison en tenant compte d'un certain nombre d'aspects, notamment la nature des infrastructures, les enseignants, les stratégies pédagogiques. Je vais revenir sur d'autres. Par rapport à la nature des infrastructures, il n'y a aucun problème. Nous constatons que tous les deux établissements répondent absolument aux normes. Les deux établissements sont assez bien construits et les écoles disposent d'une bibliothèque. Mais la bibliothèque est au niveau de l'école privée. C'est ça la seule différence. La bibliothèque et la cantine se trouvent au niveau de l'école privée, tandis que l'école publique, n'est-ce pas, n'en a pas du tout. Donc, ça, c'est une différence. Mais sur la question des enseignants, on voit que l'écart se creuse déjà. Au niveau des établissements publics, on a appelé, cette expression-là m'a été donnée c'est une expression que j'ai tirée de mes entretiens avec un directeur de centre d'animation pédagogique. Il appelle les enseignants des tout-venants.
c'est-à-dire des gens qui n'ont souvent aucune référence. Voilà. Et ces enseignants-là qui sont au niveau des établissements publics, ils jouissent d'une grande liberté, surtout sur le plan syndical. Et même dans leur rapport avec le CAP. Tenez-vous bien, quand un conseiller pédagogique est envoyé dans un établissement public pour une inspection, vous allez voir que l'enseignant n'est pas obligé de le recevoir. Souvent, les enseignants disent simplement qu'ils ne sont pas prêts. Et le conseiller, n'est-ce pas, part et il doit revenir, n'est-ce pas, un autre jour. Voilà. Donc, souvent, les anciens ne sont pas au complet. Il y a certains qui ne viennent pas. Et vous allez voir qu'ils sont obligés d'utiliser une méthode qu'on appelle la double division. C'est-à-dire deux classes, n'est-ce pas, enfin, deux effets, deux groupes, deux cohortes de niveaux différents dans la même classe. Voilà. Mais au niveau privé, on se rend compte que les exigences sont là. On ne recrute pas des gens qui n'ont pas de référence académique. La corporation syndicale n'est pas là. Il y a suffisamment de tests pour quand même permettre aux enseignants de mieux apprendre. Souvent, on remercie certains enseignants parce que tout simplement, les parents se plaignent d'eux. Cela a été dit, cela ressort dans nos entretiens. Parce qu'il y a des parents d'élèves qui sont pleins d'un prof de mathématiques. Il semble-t-il donner des fausses formules et il a été remercié par l'établissement. Bon, rapidement, en ce qui concerne les stratégies pédagogiques, au niveau public, on a l'approche par compétences. Alors qu'au niveau privé, c'est la pédagogie, ce sont les objectifs pédagogiques opérationnels. Donc, les enseignants avancent dans le programme et les programmes sont exécutés rapidement. Les élèves qui sont dans les classes d'examen, ils bénéficient d'un temps de révision assez considérable. Et c'est ce qui justifie un tout petit peu le succès de ces établissements. Slide. Donc, toujours en termes de comparaison, il y a le médium d'enseignement, les coûts. Je vais insister sur le médium d'enseignement. Dans les écoles publiques, on utilise concomitamment les langues nationales et le français. De la première année jusqu'en quatrième année, c'est 50% de français, 50% de langue nationale. Mais à partir de la cinquième année, vous allez trouver que c'est 100% de langue, j'allais dire de français, absolument. Alors qu'au niveau privé, c'est uniquement le français qui est utilisé. D'ailleurs, on exige à ce que les enfants parlent français dans la cour. Il y a le phénomène de symbole qui continue. Donc, vous voyez aussi le coût. Au niveau de l'école publique, on paye 1 500 francs par an. Mais j'avoue que souvent, les parents ne payent même pas cela. Voilà. Donc, c'est modique. C'est pour permettre d'acheter du petit matériel. Et c'est pour permettre aux enseignants aussi d'avancer. Mais quand vous prenez l'école privée à laquelle j'ai fait référence, c'est 250 000 francs par an. L'écart est très, très considérable. Voilà. Bon, la dynamique des coûts, je me suis intéressé à ça. Depuis 2003, avec le processus de décentralisation de l'éducation, les prix ont été uniformisés au niveau du cap dans lequel se trouve l'école publique. Donc, voilà, ça n'a pas bougé. Alors que si on prend l'école privée, de 2003 à 2023, il y a eu pratiquement un changement des prix, 7 fois. Donc, 7 fois, ils ont changé les prix. Chaque fois, ils ajoutent 2500, 2500. Voilà, jusqu'à atteindre les 250 000. Slide. Voilà. Donc, il y a les modalités de fixation des prix. C'est le CGS qui décide au niveau des établissements publics. C'est le promoteur qui décide au niveau de l'établissement privé. Bon, je me suis intéressé aussi à la continuité pédagogique. C'était capital pour moi parce que ça a été évoqué. Lors de la COVID, les établissements publics se sont carrément arrêtés. Voilà. Donc, ce sont simplement les élèves de la 9e année qui devaient passer le diplôme d'études fondamentales qui pouvaient suivre les cours à la télévision. Des cours de mathématiques et un peu des cours de français. Mais au niveau de l'établissement privé en question, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les anciens ont été rapidement formés dans la maîtrise, n'est-ce pas, de Moodle. Et les anciens donnaient des exercices régulièrement aux élèves. Je rappelle que pendant cette période-là, les classes ont été fermées pendant 6 mois. Mais ces 6 mois de fermeture n'ont pas joué du tout sur l'école privée ici. Mais sur l'établissement public, c'est 10 mois. Ces 6 mois ont eu tout leur impact. Donc, un autre aspect, c'est l'encadrement des apprenants. Donc,
ici, au niveau public, l'encadrement assuré par des enseignants qu'on appelle des fonctionnaires de collectivité, voilà, qui ne sont soumis à aucune obligation de résultat. Voilà, il n'y a pas de sanctions. Ce sont des enseignants qui sont souvent absents. Par exemple, à la fin de chaque mois, vous allez trouver qu'il y a 2 jours qui sont pris pour aller à la banque et prendre, n'est-ce pas, les salaires. Le directeur devient tolérant, n'est-ce pas, par rapport à ça. Alors que si on se réfère aux établissements privés, à l'établissement privé, donc, il y a le phénomène du tutorat qui est capital et qui permet souvent aux apprenants qui sont faibles d'avancer. Voilà. Cet établissement-là travaille beaucoup avec les parents d'élèves. Quand les élèves se portent absents, les parents sont informés. Voilà. Et des sanctions sont prises souvent. Cela permet aussi d'avoir des bons résultats et d'imposer un contrôle physique aux apprenants pour qu'ils puissent suivre correctement les enseignements. Slide. Voilà. Donc, en termes de résultats, si nous devons faire un récapitulatif, n'est-ce pas, rapide, on voit que, par exemple, avant de toucher ces affirmations-là, dans les écoles publiques, les enseignants constituent une catégorie hétérogène. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, alors que dans les établissements privés, il faut la référence académique pour avoir un poste là-bas. Les stratégies pédagogiques sont instables au niveau des établissements publics. Voilà, c'est beaucoup de stratégies qui sont utilisées et dans les établissements privés, les stratégies restent les mêmes. Donc, le médium d'enseignement, comme nous l'avons dit, c'est les langues nationales et le français au niveau du public. Mais quand on se réfère au privé, c'est uniquement le français. Cela crée un écart parce que vous savez, quand les élèves arrivent au niveau du collège, c'est le français qui est utilisé. Donc, pour les gens qui ont utilisé le français à 100% pendant les 6 premières années, donc vous allez voir qu'ils seront plus avantageux que ceux qui en réalité ont fait cette utilisation concomitante du français et de langue nationale. Il y a aussi l'encadrement sur lequel j'insistais en dernière analyse. Donc on voit qu'il y a plus de contrôle, on voit qu'il y a un processus de remédiation qui existe au niveau privé et qui permet aux enfants, n'est-ce pas, d'avancer. Je pense aussi que les informations qui sont données par ces établissements-là aux parents constituent un tremplin pour la réussite, n'est-ce pas, des apprenants. Surtout que ces parents-là s'impliquent davantage. Voilà, je vous ai parlé du cas de ce professeur de mathématiques qui a été renvoyé parce que tout simplement, il donnait des formules qui n'étaient pas, des fausses formules qui ne permettaient pas aux apprenants, n'est-ce pas, de mieux faire face aux exercices en mathématiques. Pour vous dire quand même que, à travers déjà ces premiers résultats, on se rend compte qu'il y a une différenciation qui se crée entre les apprenants. Les apprenants qui sont au niveau des établissements publics et les apprenants qui sont au niveau des établissements privés. Et sur ces différences-là, j'ai beaucoup aimé cette affirmation de Filouzi et de Agnès Van Zanten dans les marchés scolaires. Ils disent ceci, que les établissements scolarisant les élèves les plus favorisés ont des droits de collage les plus élevés, favorisant ainsi la segmentation de l'offre éducative en termes d'encadrement. Ils ajoutent que dans ces cas de figure, il y a le libre choix des écoles par les parents et ce libre choix produit un marché. Ça, c'est extrêmement important, dans lequel le prix devient un facteur essentiel de définition de la qualité. Donc, tout se passe comme si ceux qui payent mieux sont mieux formés. On est un tout petit peu, n'est-ce pas, dans cette logique-là. Autre chose que j'ai aimé dans l'ouvrage de Marois qui porte sur la régulation, école, régulation et marché, Marois dit ceci, c'est un ouvrage qu'il a coordonné, les règles du jeu peuvent varier considérablement d'un établissement scolaire à l'autre. Et ce, d'autant plus que le local devient plus stratégique dans les systèmes scolaires. Les règles du jeu local peuvent être influencées par des régulations qui émanent des autorités centrales ou intermédiaires. Donc, pour vous dire, une fois de plus, que ces deux auteurs confirment un tout petit peu ce qui se passe dans la réalité au Mali. Slide. Cette slide va porter sur ce que j'ai appelé les pôles d'inégalité. Voilà, au-delà de la présentation de ces établissements-là et de leur identification, et des paramètres qui permettent déjà de saisir un pan des inégalités, d'autres pans se présentent si on,
on essaye d'examiner d'autres versants comme les effets établissements. Ensuite, on va revenir aux enseignants encore. Voilà. Les effets établissements sont importants. Par exemple, dans les classes au niveau public, vous allez voir que les effectifs vont de 80 à 100. Voilà. Ce qui rend difficile l'encadrement pédagogique par l'enseignant. Alors qu'au niveau privé, vous voyez, c'est de 30 à 40. Donc, l'enseignant, plus ou moins, peut s'intéresser, n'est-ce pas, à chaque apprenant. Donc, je disais dans l'autre slide que les enseignants sont tous des diplômés au niveau privé et il est exigé à ce qu'ils soient des tuteurs de classe. Ils doivent être reguliers, n'est-ce pas, dans la classe. Alors que de l'autre côté, au niveau public, il y a des enseignants qui ont été recrutés à travers l'initiative SARP. SARP, c'est la stratégie alternative de recrutement du personnel enseignant. Donc, ce sont des gens qui avaient souvent des diplômes, enfin, qui étaient arrivés jusqu'au niveau de la terminale, 12e année, ou bien qui ont eu un CAP, ou bien un BT, qui ont subi des formations de 40 jours, formation pédagogique. Après, ils ont été recrutés, n'est-ce pas, comme enseignants. Mais en plus, n'est-ce pas, de ces catégories d'enseignants, il y a d'autres qui n'ont même pas de qualification, qui n'ont pas de diplôme. Slide. Voilà. Les pôles d'inégalité, c'est aussi les pratiques pédagogiques. Voilà. Donc, des pratiques pédagogiques qui sont fondées sur la remédiation, comme je disais tantôt, au niveau des écoles privées, sur la régularité des évaluations mensuelles et trimestrielles. J'avoue qu'au niveau public, dans l'établissement concerné, et même dans beaucoup d'autres établissements, on se rend compte que les évaluations ne sont plus mensuelles, en ce qui concerne la première année et la sixième année. Parce qu'à partir du collège, l'évaluation devient trimestrielle. Mais les évaluations mensuelles, là, ne sont pas, en tout cas, elles ne sont pas régulières en ce qui concerne les écoles publiques. Ce qui crée aussi une différenciation avec les apprenants qui sont issus des établissements privés. Slide. Voilà. Il y a les grèves. Au niveau des écoles privées, pas de syndicats, pas de grève. Alors que de l'autre côté, comme j'ai pu le préciser, les grèves sont monnaie courante. Dans l'année 2022, il y a eu pratiquement quatre mois de grève au niveau public. Donc après ces 4 mois, les écoles publiques étaient obligées de travailler pendant la période d'hivernage pour pouvoir rattraper et permettre aux enfants, surtout qui sont en classe d'examen, de passer les examens. Voilà. Il y a des aspects très importants qui concernent le contenu des programmes. Le contenu des programmes est suivi et évalué. Il y a des évaluations internes qui se passent au niveau des établissements privés. Donc, les directeurs se rendent compte, est-ce que l'enseignant a pu achever, n'est-ce pas, le programme? Est-ce qu'il a fait des révisions pour les classes d'examen? Cela n'est pas le cas au niveau des écoles publiques. Je m'en excuse pour la petite coquille. J'ai pris un aspect, un dernier aspect qui concerne la vie scolaire. Et j'ai fait allusion à ça déjà. C'est la présence de bibliothèques dans cet établissement-là et les sorties pédagogiques. Donc, ces deux aspects constituent, en tout cas, des moyens fondamentaux qui permettent de creuser encore les différences ou les différenciations entre les élèves issus du privé et du public. Parce que la fréquentation, n'est-ce pas, de la bibliothèque permet de mieux apprendre. Par exemple, au niveau des écoles privées, chaque fois qu'un enseignant se porte absent pour une raison ou une autre, toute la classe est conduite, n'est-ce pas, dans la bibliothèque. Et il y a suffisamment de livres dans cet établissement-là pour que les élèves s'occupent d'eux-mêmes en attendant que l'enseignant arrive. Et même s'ils n'arrivaient pas, ils auront fait une journée bien pleine. Voilà. Donc, ces établissements-là ont aussi un rapport direct avec les parents. Donc, le tuteur de la classe rencontre fréquemment les parents, surtout les parents, enfin, surtout les apprenants qui ont des difficultés. Il rencontre les parents de ces apprenants-là et ils discutent de ces difficultés-là. Souvent, voilà, des mesures de remédiation sont trouvées. Et cela permet, en tout cas, aux enfants de se hisser à un niveau qui est tout à fait acceptable. Slide. Donc, ça, c'est le pôle d'inégalité. Maintenant, on va parler des pôles d'iniquité. Et là, je me suis servi simplement de Bauman, qui parle beaucoup de la question, n'est-ce pas, d'équité. Il a dégagé 4 paramètres essentiels auxquels j'ai fait référence ici. Donner les mêmes niveaux à tout le monde.
Est-ce que cela existe? Voilà. J'ai dit que cet objectif est loin d'être atteint. Parce que dans les écoles privées, il y a des conditions d'encadrement pédagogique qui sont acceptables, et alors qu'on ne constate pas ça au niveau des écoles publiques. Bouhamane parle aussi du fait d'amener tout le monde, c'est-à-dire tous les apprenants, au même niveau de performance cognitive. Voilà. Sur ce plan-là, les arguments d'appréciation, c'est que il y a un processus de remédiation cognitive pour les élèves en difficulté, surtout au niveau des établissements privés. Mais dans les établissements publics, ça n'existe pas. D'ailleurs, les effectifs pléthoriques ne permettent pas de favoriser cela. Les enseignants, le plus souvent, voilà, ils viennent, ils dispensent, n'est-ce pas, leur cours, voilà, et ils s'en vont. Donc, ils ne s'occupent pas de savoir est-ce que tel élève se trouve en difficulté ou pas. Voilà. Un autre paramètre évoqué par Bauman, c'est donner à tous les chances égales au départ, voilà, quoi qu'il advienne par la suite. Donc, le dispositif pédagogique qui est là, les outils pédagogiques qui sortent, l'existence, n'est-ce pas, de la bibliothèque, ce sont des paramètres de départ qui créent déjà une différenciation entre les écoles publiques et les écoles privées. Enfin, Bouhamane parle d'imposer à tous les groupes les niveaux du système éducatif qui doivent être représentés. Donc, à ce niveau, les situations ne sont pas identiques pour la simple raison que les enfants qui évoluent en première année jusqu'au DF, donc, ils sont plus favorisés dans les écoles privées que dans les écoles publiques. Slide. Voilà. Donc, un certain nombre de constats se dégagent en ce qui concerne les pôles d'iniquité. C'est que la régulation ne dérive pas seulement de l'activité de contrôle des autorités éducatives. Donc, c'est un contrôle lâche en ce qui concerne les écoles publiques. Je vais dire par là que les écoles privées ont un mécanisme interne, par exemple, de contrôle et d'évaluation. Voilà. Mais le contrôle est lâche au niveau, n'est-ce pas, des écoles publiques. Pour la simple raison que souvent, les anciens au niveau du premier cycle, ils n'amènent même pas leur préparation pour que le directeur dise. Alors que les textes disent, n'est-ce pas, cela. Il m'est arrivé, n'est-ce pas, de constater avec un enseignant. Un enseignant m'a dit un jour que non, il ne présente pas sa préparation au directeur parce que tout simplement, voilà. Et lui, il pense qu'il a plus d'expérience que le directeur et que c'est lui qui devait être, n'est-ce pas, le directeur de cet établissement-là. Bon, ça va nous permettre, n'est-ce pas, en discussion, d'aborder souvent certains de ces aspects. Donc, un autre constat, c'est que la privatisation des établissements qui à l'origine devrait aider l'État à faire face à la scolarisation universelle, à l'éducation pour tous, donc, ce qui crée l'équité, donc, cette privatisation a plutôt favorisé les classes moyennes, qui étaient à la recherche de choix stratégiques et instrumentaux. Pourquoi je dis choix stratégiques? Parce que les familles, les classes moyennes réfléchissent et ils se disent que, voilà, au lieu de mettre mon enfant, par exemple, dans les écoles publiques, je préfère le mettre, par exemple, dans un établissement privé de moyen standing et puis je vais le suivre. Ça, c'est une vision stratégique. Ils ont été, généralement, les membres de ces classes moyennes-là sont des gens qui ont un certain degré d'instruction, donc ils comprennent la valeur de ces établissements-là. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les établissements publics semblent être des logis pour les pauvres, alors que dans les autres établissements privés, on constate, voilà, des enfants issus de familles riches et des enfants issus également, n'est-ce pas, de la classe moyenne. Voilà. Dernier constat à ce niveau-là aussi, c'est que la privatisation a induit une concurrence entre promoteurs. Bon, j'ai dit les écoles, je disais tantôt que les écoles se créent partout et les prix vont crescendo. Chaque année, pratiquement, il y a un changement, n'est-ce pas, de prix. Donc, du coup, on voit qu'il y a deux secteurs qui se créent au niveau de l'éducation, un secteur privé où on peut parler de qualité. Voilà, on peut vraiment parler de qualité, même si je n'ai pas fait d'approche quantitative. En tout cas, en termes de résultats, c'est plus bon au niveau des établissements privés. Et le deuxième niveau d'établissement qui se crée, c'est l'établissement public. Et cet établissement public, en tout cas, comme je disais tantôt,
constitue un lieu qui est fréquenté surtout par les enfants de pauvres. Et j'ai dit, en dernière analyse, que le droit à l'éducation est sapé parce qu'il y a une accentuation des ségrégations scolaires. Pour la simple raison qu'il y a un établissement qui est fréquenté par des catégories bien déterminées et un autre aussi qui est fréquenté par des catégories surtout de pauvres. Discussion. Slide. Voilà. En termes de discussion, par rapport à tout ce qui a été dit, on constate quand même une remise en cause des principes de l'école juste. Nous allons en discuter. De l'égalité des chances. Je vais en parler en dernière analyse avec Mohamed Tcherkaoui. Voilà. Autre chose, la privatisation, loin d'être une réforme, est à peu près une liquidation de l'école, son ajustement et sa mise au service, n'est-ce pas, des classes favorisées. Et un élément de discussion, c'est aussi que la privatisation n'a pas réduit du tout l'écart entre les classes favorisées, les groupes favorisés et les groupes défavorisés. C'est pourquoi d'ailleurs on parle d'inutilité. Donc le local qui était à même de réguler et de construire in fine un lien n'a pas pu le faire parce que les intérêts individuels en tout cas sont visibles même au niveau local. Bon, vous allez trouver que normalement si les gens sont, n'est-ce pas, du même quartier, vous allez voir qu'ils ont le même statut. Mais malgré le fait que les gens habitent le même quartier, vous allez voir que voilà, par rapport à la fréquentation scolaire, il y a beaucoup qui jettent leur dévolu sur les écoles privées. Et ce sont des gens qui ont souvent les moyens par rapport à d'autres qui ont leurs enfants dans les écoles publiques. Voilà. Autre élément de discussion, dans un contexte d'imposition du modèle libéral, le droit à l'éducation ne peut que se dégrader. En tout cas, c'est ce qu'on constate dans le contexte malien. Parce que dans mes lectures, j'ai vu qu'il y a souvent des bons qui sont accordés, des bons d'études qui sont accordés, n'est-ce pas, à certains élèves en Norvège, par exemple, et dans d'autres pays qui ne sont pas issus de milieux très, très favorisés. Mais au Mali, voilà, c'est les parents qui payent. L'État ne donne aucun bon. En tout cas, puisque j'ai analysé la question à l'aune de l'État, des écoles fondamentales. Voilà. Donc, du coup, il y a une désinstitutionnalisation, il y a une défavorisation, il y a une désintégration. Donc, ces trois mots-là, ces trois D sont des maîtres mots qui peuvent servir à qualifier, de mon point de vue, l'école libérale dans sa dimension, n'est-ce pas, au Mali. Ce qui crée un processus, d'ailleurs, d'hybridation. Voilà. Le libre choix des écoles au Mali produit un marché scolaire qui renforce les inégalités entre les apprenants issus des milieux socio-économiques différents. C'est ce que j'ai essayé de démontrer. Et du coup, l'argent devient un facteur de distinction entre les parents. Entre les apprenants qui sont issus de milieux socio-économiques différents. Donc, tout cela va donner raison aux thèses qui ont été développées par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron il y a très longtemps sur les questions, n'est-ce pas, des inégalités. Ces deux auteurs ont montré qu'il y a une reproduction des inégalités qui se passent, n'est-ce pas, au niveau de la société à l'école. Voilà. Parce que même si ce n'est pas dans la même classe, on se rend compte que les parents, les apprenants qui sont issus de milieux aisés, ils ont beaucoup plus de chances de réussir dans les classes d'examen à l'école d'une façon générale que les apprenants qui sont issus de milieux pauvres. Slide. Donc, je disais tantôt que j'allais revenir sur la question de l'inégalité de chances telle que développée par Mohamed Tcherkaoui. Donc, il avance, j'ai beaucoup aimé ces trois paramètres qu'il avance. Il dit que l'égalité des chances repose sur une éducation gratuite et universelle, jusqu'à un certain niveau minimal. Oui, au Mali, l'éducation n'est pas gratuite au sens fort du terme, et ce n'est pas universel parce que tout simplement, il y a au moins deux types d'éducation qui se dispensent à l'école publique et à l'école privée, même si c'est sur le même programme. Voilà. Tcherkaoui parle d'une distribution à tous des savoirs identiques. Bon, les savoirs ne sont pas identiques parce qu'on exige, quand on se réfère, n'est-ce pas, au médium d'enseignement, on voit que, voilà, les apprenants qui sont issus, n'est-ce pas, du milieu, j'allais dire, de l'école publique, auront plus de problèmes quand ils vont arriver au collège qu'au niveau que les enfants qui sont issus, n'est-ce pas, de milieux riches et qui sont dans les écoles privées. Donc, du coup, voilà ce que prône Tcherkaoui en termes d'égalité des chances, c'est une égalité, n'est-ce pas, des ressources. On voit que, voilà, cela aussi devient un lointain mythe.
Pourquoi dis-je cela? Parce que tout simplement, voilà, les ressources ne sont pas du tout égales. Vous avez constaté que dans les écoles privées, ils ont une bibliothèque, il y a des ressources humaines, je dirais comme ça, de qualité. En tout cas, contrairement aux établissements, n'est-ce pas, privés, et j'allais dire publics, qui n'ont pas de bibliothèque et dont les enseignants sont recrutés souvent dans des conditions qui ne sont pas idéales. Conclusion. Voilà. Donc, en conclusion, on peut retenir que les écoles privées constituent certes des alternatives à la démocratisation de l'enseignement, mais elles ont creusé, en tout cas, un fossé entre les enfants qui sont issus de familles différentes, en termes de conditions socio-économiques et en termes aussi d'emplois occupés par les parents. Mais ce qui se passe dans la réalité, c'est que l'État n'arrive pas à contrôler véritablement les prix au niveau de ces établissements, ce qui rend ces établissements-là inaccessibles, n'est-ce pas, à certaines catégories. Mais l'important n'est pas ça. L'important pour l'État, c'est certes de favoriser une plus grande ouverture, n'est-ce pas, de l'école, mais c'est de contrôler aujourd'hui le secteur de l'éducation afin qu'il ne soit pas un marché au sens fort, n'est-ce pas, du terme. Parce que quand l'école devient, n'est-ce pas, un marché, ça pourrait être en tout cas, une sorte de... Ça crée une inégalité, comme je disais tantôt, mais ça porte des préjudices au droit à l'éducation d'une façon générale. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Traoré, pour cette très riche présentation. Vous avez mis l'emphase sur le fait que, effectivement, la privatisation, et vous avez commencé par là et vous avez fini par là, était une alternative une alternative. Alors, on comprend mieux maintenant une alternative qui n'est pas forcément souhaitable, mais une alternative qui constitue un palliatif face aux carences de l'État. Et en particulier au fait que l'État ne respecte pas ses obligations minimales en matière de droit à l'éducation. C'est un constat qui est partagé un peu partout dans le monde en réalité, cette carence de l'État à respecter ses obligations. Et comme l'ont dit certaines d'entre vous dans la boîte de discussion, il y a beaucoup de constats que vous avez mis en évidence qui se retrouvent dans d'autres contextes. Et donc l'occasion de vous faire réagir. On a environ une dizaine de minutes pour des réactions, des commentaires ou des questions à destination du professeur Traoré. Donc, vous pouvez lever la main. Donc, vous avez la petite icône en bas de l'écran et je vous donnerai la parole. Donc, n'hésitez pas à lever la main et prendre la parole. Qui voudrait bien se lancer? Oui, je vois Namiate. Allez-y. Pensez à ouvrir le micro. Son micro est fermé. Ok. Excusez-moi, je n'avais pas prêté attention beaucoup. Je dis merci aux conférenciers, à M. Laurier et à tous les collègues présents. La présentation, quelqu'un a dit, c'est comme s'il parlait le cas de Burundi. Moi aussi, j'ai ressenti ça comme si c'était le cas du Togo. Mais il y a certains aspects que j'aurais voulu en savoir davantage. Par exemple, la condition enseignante dans les écoles privées, dans le cas du Mali. Et globalement, quels sont les constats qui sont faits? Chez nous, par exemple, au Togo, c'est une condition très rude. Souvent, ils n'ont pas la formation pédagogique initiale. On va dire que leur formation se fait sur le tas. Les conditions de matériel de travail, notamment salarial, sont très difficiles. Mais malgré tout, ils ont souvent plus de bons résultats aux examens nationaux. Est-ce que c'est le même constat dans le cas du Mali? La seconde question, bon, paradoxalement, ce n'est pas M. Traoré seulement, je vise en particulier M. Laurier. J'ai constaté dans le cas de la Corée que carrément l'école privée
à l'école, pour l'école de base, au primaire, est interdite. Et qu'en Suisse, c'est très peu. Tout à l'heure, j'ai regardé les statistiques. On dit la Suisse, ça fait à peu près 7% d'écoles privées. Or, la Suisse, c'est le pays par excellence d'économie du marché. Comment se fait-il qu'on n'a pas pu voir cette partie de l'éducation comme un bon marché? Voilà, merci beaucoup. Idrissa, je te laisse répondre. Ok, merci beaucoup Thibault, merci beaucoup professeur Yabouri, je pense que je lis très très bien. Voilà, bon, en fait c'est à peu près les mêmes conditions hein, au Mali, sauf que, en tout cas, dans les établissements, les enseignants bénéficient de tout le matériel dont ils ont besoin. Par exemple, vous savez, dans les écoles publiques, là, pour faire une leçon de géométrie, souvent les enseignants n'ont même pas d'équerre ou de compas. Mais vous ne verrez pas ça dans les écoles privées. Donc, il y a ça. Mais je dis ceci qu'au Mali, je ne sais pas si au Togo, ça se présente de la même manière. Il y a une très, très grande pression sur les enseignants au niveau du privé. Ils savent, si le résultat n'est pas bon, il y a de fortes chances qu'on te vire. Donc, du coup, l'enseignant est assidu. Bon, puisqu'il y a ce phénomène crucial-là qui est le chômage, l'enseignant cherche à sauver, n'est-ce pas, sa vie. Donc, du coup, il se donne, n'est-ce pas, à fond. Même s'il ne le veut pas. Voilà. Il se donne à fond pour sauvegarder, n'est-ce pas, son emploi. Parce qu'il sait qu'il y a des risques s'il n'y a pas de bons résultats, donc à être un tout petit peu viré. Donc, le bon résultat au niveau privé s'explique essentiellement par les pressions que ces écoles-là exercent sur les enseignants qui sont souvent en quête d'emploi, qui n'ayant pas, n'est-ce pas, d'emploi, sont obligés d'accepter des conditions. Mais au Mali, les salaires sont payés régulièrement. Les salaires sont payés assez régulièrement, ce qui est un point aussi capital. Voilà. L'établissement auquel je fais référence fait même, n'est-ce pas, donne même des bons aux enseignants, ce qui les encourage. Voilà. Il n'y a jamais de prime de 13e mois, mais voilà, pendant des périodes comme le mois de carême, voilà, ou bien la fin d'année, ils bénéficient en tout cas d'une petite somme pour des prises en charge. C'est ce qui fait la différence. C'est la même chose, hein. C'est vraiment, n'est-ce pas, la même chose. Sauf qu'il y a la pression et la question du chômage qui font que les enseignants... C'est ça, dans le cas du Togo, beaucoup de pression. Oui. Mais parfois, okay, au Togo, vous avez des enseignants qui sont payés 10 mois ou 9 mois sur 12. Là, ils ne sont pas payés en vacances. Oui, au Mali aussi, c'est la même chose. Hein. Mais je me suis intéressé au niveau d'une académie qui n'a pas ces réalités. Donc, dans mes recherches globales, je constate, n'est-ce pas, cela. C'est pendant l'année scolaire qu'ils sont payés. Les 3 mois de vacances, donc, sont des mois, en réalité, voilà, où l'enseignant doit se débrouiller seul. C'est la même situation. Merci beaucoup. Je propose à Nami Athé de répondre sur le cas de la Suisse dans la boîte de discussion. Comme ça, je laisse la parole à 4 autres intervenants. Alors, j'ai en premier... Kesharem, je suis désolé si je prononce mal, et ensuite Jean-Alain. Oui. Allez-y. Bien, merci bien, monsieur Idrissa, pour cette présentation très riche. Alors, je trouve que le contexte malien, il est semblable, ou bien ça ressemble au contexte tunisien. Plutôt qu'alors, selon votre présentation, vous avez des expériences en Tunisie, donc je vous pose la question. Selon votre présentation, vous avez mis l'accent que la privatisation ou bien l'immigration vers les écoles privées, ce n'était pas un choix. Maintenant, ça devient une obligation. On dirait que c'est structuré, c'est voulu, c'est-à-dire à travers les politiques adoptées par les États qui alors adoptent une politique d'austérité, donc manque de budget, manque d'infrastructures, par rapport alors aux écoles privées. Aussi, alors, les responsabilités, selon vos propos, incombent à l'État au niveau du contrôle que vous qualifiez, alors, un contrôle lâche, qui est un contrôle, voilà, si j'ai bien compris vos propos, un contrôle rigoureux dans les écoles privées. Autre chose, donc, au niveau des stratégies, c'est pas des stratégies, donc, autre facteur, vous avez mentionné, donc, autre cause, c'est alors les syndicats.
Donc, pouvez-vous expliquer ce phénomène-là? Comment les syndicats, d'après vous, provo alors participent à l'accélération de la migration des parents vers les écoles privées, parce que c'est la situation presque la même en Tunisie. Sur le plan donc des stratégies pédagogiques, vous avez mis l'accent que les écoles privées travaillent selon alors le contrat de la pédagogie par objectif, et les écoles publiques travaillent selon l'approche par compétence. Je pense que l'approche par compétence est la plus développée par rapport à la pédagogie par objectif. Et plutôt, on peut parler dans les écoles privées, dans la pédagogie de projet. Donc, la pédagogie du projet qui permet d'impliquer tous les acteurs, les intervenants de vrais projets. Alors, qui seront alors l'avant-projet, pendant le projet, il y a ce contrôle, ce suivi et ce soutien et ce tutorat. Merci pour l'intervention. Juste, alors, une remarque, serait-il possible de nous envoyer la présentation si cela ne vous gêne pas? Et merci bien. Idrissa, je te laisse rapidement la parole pour laisser d'autres personnes réagir. Oui, merci bien. Thibault, je peux aller? Oui, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Keshama, pour l'intérêt accordé à cette présentation. Donc, j'ai cru comprendre que nous avons un tout petit peu quelques réalités, nous partageons des réalités avec la Tunisie. Voilà. Mais je voudrais dire en réponse, en réaction à vos questions, que chez nous, c'est désagréable de le dire en tant que responsable d'institution. La chose étatique est la plus mal gérée au Mali. C'est vraiment un constat. Donc, je m'en excuse, hein, même dans mon établissement aujourd'hui, les gens étaient il y a quelques mois en grève pendant 3 mois. Donc, il n'y a pas eu. Les anciens n'ont pas du tout travaillé. Et à un moment donné, bon, c'était des négociations, donc ils sont restés fermes. Au moment de couper les salaires, donc voilà, l'État a reculé. L'État a dit non, voilà, on va se mettre d'accord, vous reprenez, donc on ne coupe pas les salaires. Et au Mali, je le dis, hein, les syndicats participent beaucoup à cette immigration, n'est-ce pas, des enseignants. Voilà, merci pour cette expression que vous m'aviez donnée. Pour la simple raison que il y a toujours des grèves. Et des grèves qui sont souvent prolongées, qui se font par à-coups aussi. Donc, du coup, cela décourage les parents qui ont le minimum de moyens et qui vont jeter leur dévolu sur les écoles privées. Parce que là-bas, il n'y a pas de grève. Il n'y a même pas de syndicat. Quand vous observez, n'est-ce pas, la grève, ou bien vous allez. Même quand on vous soupçonne de mettre en place une organisation syndicale, les gens vous remercient. Au niveau du privé, n'est-ce pas, on vous remercie. Donc, c'est ça, n'est-ce pas, la différence. Vous allez voir que l'école privée, même si je ne l'ai pas dit, devient aussi un moyen de sécurisation des enfants par rapport à l'école publique. Pourquoi dis-je sécurisation des enfants? Parce qu'au moins, quand ils sont à l'école privée, ils ont la chance d'étudier, comparativement aux écoles publiques où il y a trop de grèves. Voilà. Donc, je le dis souvent, mieux vaut avoir voilà, des enseignants qui sont des talents que des enseignants qui sont des savants, mais qui ne sont jamais en classe. Voilà. Donc, du coup, les parents pensent que, beaucoup de parents pensent quand même que l'école privée devient aujourd'hui un moyen pour sauver les enfants de la grève et pour leur permettre d'étudier dans les meilleures conditions. Oui, l'approche par. Je suis d'accord avec vous en ce qui concerne l'approche par compétence, mais dans le contexte malien. Je m'apprête d'ailleurs à publier un article, n'est-ce pas, sur la question. Cette approche par compétence est mal appropriée. Mal appropriée. Je reviens sur mes expressions. Mal appropriée. Parce que les enseignants doivent être formés, n'est-ce pas, par rapport à l'appropriation de l'APC. Mais ce n'est jamais fait. Je vous avoue que lors de mes enquêtes, là, dans l'article qui va sortir, il y a des enseignants qui m'ont dit que. Lors de la formation, les formateurs viennent s'arrêter et ils disent que bon, nous allons vous apprendre l'approche par compétence, mais sachez que nous sommes au même niveau. Bon, vous savez, ça décourage déjà celui qui apprend. Voilà, il est dans une insécurité pédagogique, vous me permettez l'expression, parce que celui qui est censé transmettre, n'est-ce pas, le savoir, lui-même, en réalité,
il a un comportement défaitiste. Et vous savez, donc, on forme, n'est-ce pas, une cohorte. Donc, cette cohorte, c'est comme s'il y avait une formation des formateurs. Ces formateurs-là doivent restituer les formations dans les établissements, ce qui n'est jamais fait. Ça, c'est un constat. Et on dit à tout le monde, non, il faut aller vers l'approche par compétence. Maintenant, ce que les enseignants font là, ils utilisent un tout petit peu l'approche par compétence, mais quand ils ont des difficultés ou qu'ils sont en retard, ils reviennent à la pédagogie, n'est-ce pas, par objectif. Voilà. C'est comme si, quand ils sont dans des difficultés, ils cherchent des stratégies, n'est-ce pas, de s'en sortir. Donc, du coup, voilà, malgré que ça soit une bonne option, puisque les gens ne sont pas formés, n'est-ce pas, sur la question, puisque les gens ne sont pas appropriés, n'est-ce pas, de la question, ça devient finalement une difficulté. C'est vraiment une difficulté dans le contexte, n'est-ce pas, malien. Bon, je suis d'accord avec vous aussi. Hein. En fait, quand je parle d'objectifs pédagogiques opérationnels, c'est dans les cours. Dans les cours. Mais je suis d'accord avec vous sur la pédagogie, sur la pédagogie du projet, qui en réalité, de mon point de vue, constitue un ensemble dans lequel va s'intégrer les EPO. Voilà. Parce que là, il y a plus d'implications des parents, enfin d'autres acteurs, n'est-ce pas, de l'école. Mais les EPO, c'est vraiment en classe et par rapport à un cours ou un enseignement, n'est-ce pas, bien déterminé. On dégage les objectifs. L'élève, au terme de ce cours, doit être capable de. Donc, on liste, voilà, de définir, de présenter l'utilité, n'est-ce pas, de cette chose, et puis, bon, voilà, de présenter les limites, etc., etc. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, et merci pour vos contributions de sens. Merci beaucoup, monsieur Kersham, si je n'ai pas bien prononcé. Merci beaucoup, Idriss. Monsieur Sami Khoucharam. Merci, merci beaucoup. Alors, je ne voudrais pas faire de personnes frustrées, mais je vois qu'on est en train de dépasser le temps. C'est une thématique qui sera beaucoup traitée dans les différentes sessions. Alors, sauf s'il y a des personnes qui veulent absolument prendre la parole maintenant, je propose qu'on prenne le moment qui était dévolu au passage dans les salles. Donc, alors je vais remettre le lien dans la boîte de discussion. Comme ça, vous avez de nouveau les liens sous les yeux pour vous rendre dans les salles. Donc, je remercie infiniment le professeur Traoré pour sa conférence d'ouverture qui a été très riche et qui a permis de susciter pas mal de réactions, de commentaires, de questions. Merci à celles et ceux qui ont également réagi à la conférence d'ouverture. Donc, on se retrouve dans environ 10 minutes dans les salles pour les sessions. Donc, il y a 3 sessions qui vont avoir lieu maintenant. Une première session qui va porter donc sur l'enseignement supérieur essentiellement. Une deuxième session, la session 2 sur population marginalisée, en particulier l'emphase sur les élèves et les enseignants. Et une troisième session justement sur privatisation et inégalité, donc la session 3. Donc, je vous laisse vous rendre dans les salles. Vous allez être accueillis par vos animateurs et animatrices de session. Et donc, je vous souhaite une belle suite de journée et on se retrouvera de toute façon collectivement à 15h30 heure Genève pour la séance de clôture. À tout à l'heure. Merci bien. Merci.